Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors je me mets sur le, voilà. Sur les commentaires. Donc aujourd'hui on va parler d'hyperactivité. Donc on espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, vous êtes en bonne pour une nouvelle semaine. Avec un beau temps. On a toujours notre public avec Cécilette, Fanny. Coucou. Et Françoise. Coucou. Oui, c'est coucou, ils sont mignonnés aujourd'hui. Oui, c'est des gentils coucou. Et on se retrouve une nouvelle fois avec Annick, qui est toujours patiente éducatrice, puis résidente des associations et préparatrice mentale. Et Laure Cabanero, qui est enseignante en activité physique adaptée et en master du management du tourisme sportif. Ça y est, je vais y arriver. J'y arrive. C'est dur à dire parce que d'un trait, tu t'étouffes à la fin. Oui, mais maintenant, j'y arrive. Non, mais moi aussi, hein. C'est juste que. Donc, on espère que vous allez bientôt nous retrouver et que, oui. Comme tous les mardis, c'est un groupe de réflexion et un groupe de parole, un groupe d'échange
Donc, nous allons échanger sur l'hyperactivité. Qu'est-ce que l'hyperactivité? Donc, selon vous, qui est concerné par l'hyperactivité? Donc, ça, c'est une question qui vous est posée, mesdames et messieurs. Ben, tout le monde. Tout le monde peut être concerné par l'hyperactivité. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont favorables, des groupes de personnes ou non? Les enfants. On les parle enfants. Plus chez les enfants. Ouais. D'accord. Des adultes aussi, beaucoup. Donc, vous ne les voyez pas, mais ça se chamaille des... Sur plusieurs personnes concernées, les adultes et les enfants aussi. Ouais. Et beaucoup plus des enfants. Et si on est hyperactif enfant, on reste hyperactif adulte. Ah, ça, c'est à voir. Peut-être pas forcé. Et peut-être on n'est pas peut-être pas hyperactif enfant et peut-être qu'on reste, on est hyperactif adulte après. Ça, on va voir pendant tout le déroulement. L'hyperactivité chez les enfants, ça peut être une pathologie aussi. Ah, mais c'est une pathologie. C'est... Oui, c'est concerné comme une pathologie. Ouais. Il faut que pour que ça soit une pathologie, il faut qu'elle soit diagnostiquée. Mmh. Oui, c'est ça. C'est donc, ça, et c'est un diagnostic particulier. Et c'est un diagnostic qui doit être posé. Mmh. C'est pour ça que c'est important qu'on parle de l'hyperactivité, parce que qui est concerné, surtout qui allait voir, qui allait consulter, et comment évaluer que votre enfant il est vraiment hyperactif, parce que c'est une pathologie à part entière. Mmh. C'est ça, et qui peut s'apparenter à quand même pas mal d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux... aller voir des bons, les bons professionnels. Oui, les spécialistes. Souvent, on le voit, les enfants, on le voit à l'école. Ce serait hyper actif. Ouais. On le voit avant l'école. On le voit à l'école, souvent. Et ça peut être un facteur déclenchant, on va dire, aussi. Mais après, des fois, on peut confondre aussi des enfants hyperactifs avec des enfants qui sont juste... Pleins de vie. Mmh. Pleins de vie et puis capricieux. Ou alors qui s'ennuient à l'école. Mais même en dehors de si on, l'école. Oui, oui. Si on, mais si on parle de parce qu'elle parlait de l'école tout à l'heure, ouais. Que les personnes, c'est pour ça que les enseignants, tout ça, sont sensibilisés à ces pathologies-là. Donc, ils sont pas, c'est pas des médecins, mais par contre, ils savent reconnaître quelques symptômes, on va dire. Et donc, ce qui fait que généralement, ils en parlent aux parents ou pas. Mais quand ils en parlent, des fois, ça peut s'apparenter à un enfant qui est trop intelligent, comme ils disent, ou qui n'est pas forcément au bon niveau, au bon moment, en fait. Voilà. Voilà. Donc, qui s'ennuie. Alors, attendez, je vais essayer de ressortir pour... normalement, ça doit marcher. Mais parce que, comme il n'y a pas trop de commentaires, vous n'avez peut-être pas trop d'idées, donc non. Eh bien, on va continuer par voir le reste. Hein. Allez, c'est parti. Donc, quelques chiffres. Des chiffres clés, donc 3,5 à 5,6% des enfants scolarisés souffriraient de TDAH en France. Donc, vous aviez quand même raison que ça touchait des enfants scolarisés. Ouais. L'âge moyen du diagnostic par un spécialiste se situe à 9, entre 9 et 10 ans. Et la répartition des trois symptômes chez les enfants diagnostiqués, ce sont les troubles de l'attention, environ 47%, l'hyperactivité impulsivité environ 36%, et l'association des trois ensemble environ 17%. Et l'hyperactivité est aujourd'hui bien connue chez l'enfant. Pourtant, les adultes peuvent aussi être concernés. On estime de 2 à 4% la prévalence de TDAH chez l'adulte. On le verra. Et en plus, au début, on disait que c'était fréquent chez les garçons, que c'est plus ouais. Chez les garçons que chez les filles. 2 à 3 garçons pour une fille. Et après, au fur et à mesure, la tendance s'inverse. Donc, on estime 5 à 8% de la population qui souffre de TDAH, de la population globale. On a longtemps cru que les garçons étaient plus touchés que les filles, mais maintenant, des études récentes viennent dire qu'en fin de compte, pas forcément, en fait. Il n'y a pas de distinction de sexe. Donc, chez l'enfant, comment ça se manifeste?
Donc, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est le trouble comportemental le plus fréquent chez les enfants et les adolescents. Alors, le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, ça veut dire ça, quand on vous parlera de TDAH tout le long, c'est cette explication-là. L'abréviation. L'abréviation, c'est ça. Je ne savais plus comment on appelait, la définition quoi, de l'abréviation. Le TDAH. C'est ça. Donc, à des degrés variables, le TDAH peut perturber le fonctionnement personnel, scolaire, familial et social. Et donc, certains disent que ce n'est pas une maladie. Et pourtant, ça en est reconnu. Une pathologie. Oui. Mais une pathologie, c'est quoi d'après toi? Une pathologie, c'est une maladie. Oui, hein. C'est ça. Donc, les enfants qui sont sous traitement. Oui. Donc, les troubles de l'inattention et de l'hyperactivité ou de l'impulsivité, bien que ces types de comportements sont retrouvés chez les enfants, ils sont chroniques et très prononcés dans le cas de ceux qui sont atteints justement de troubles de l'attention ou de l'hyperactivité. Malgré les difficultés scolaires causées, il n'existe aucun lien entre les troubles et l'intelligence. Donc ça, c'est sûr, c'est important de le dire, qu'il n'y a pas de, le déficit de dire un enfant hyperactif est moins intelligent qu'il n'y en est pas. Mais c'est surtout que c'est peut-être aussi de rassurer les enfants qui sont hyperactifs, parce que ça, c'est un mot qui ressort bien souvent. C'est ça. Et que justement, ils disent, oui, non, mais moi, de toute façon, je suis bête parce que je suis hyperactif ou ce genre de choses. Et ça, il faut pas laisser dire les enfants sur ça, puisque c'est faux. C'est ça. Donc, en fait, après, ça peut, comme vous disiez, Laure, ça peut impacter vraiment sur la vie familiale, environnementale, et ça a des conséquences parfois, quand ces enfants durent, sur la vie adulte, en fait. Donc, il y a des problèmes dans ces troubles en général, ils sont diagnostiqués vers l'âge de 7 ans. Mais l'enfant souffre bien souvent avant, dès l'âge de 2 ans en fait. Mais le diagnostic est beaucoup plus tardif. Dans la moitié des cas, pour répondre à ta question Stéphanie, le TDAH persiste à l'âge adulte, mais il arrive que les symptômes diminuent à l'adolescence. Donc chez un enfant, chez 50% de troubles vont continuer à l'âge adulte, par contre, il arrive que les symptômes diminuent à l'adolescence, mais par contre là il n'y a pas de chiffres qui sont donnés. Et en moyenne, la moitié des enfants souffrent aussi d'autres problèmes comme le trouble d'apprentissage, de l'anxiété, de l'opposition ou des troubles affectifs. Donc en fait, ces problèmes de comportement sont liés à un problème d'estime de soi bien souvent aussi en fait. Il y en a qui sont aussi un peu violents, non? Ça dépend jusqu'à où l'impulsivité. Parce que moi, je connais un gamin, il avait tout ça et en plus, il tapait. Ça dépend des symptômes qu'il y a. L'anxiété, quand tu as des troubles anxieux, chez un adulte, l'anxiété peut te faire devenir violent. Hein. La dépression, la déprime, ça peut te faire devenir violent. Donc, c'est des genres de bouffées d'angoisse qu'il y a et des crises de nerfs, en fait. Donc après, ça peut arriver jusqu'à la violence, oui. Et surtout que j'avais vu un truc qui disait que l'hyperactivité, c'est... une personne ne peut pas être hyperactive comme une autre. C'est-à-dire qu'ils avaient tous leurs particularités dans leur hyperactivité. Donc tu vois, le fait que dans les crises, il y en a qui peuvent être violents, d'autres qui vont se renfermer complètement, ça peut être complètement variable. Dans l'opposition, quand on parle d'opposition, c'est-à-dire que bien souvent, c'est dans l'opposition, dans la violence. C'est le contact. Mais ça, après, on employait beaucoup au début des enfants caractériels. Quand moi, je sais que, je ne sais pas, Françoise, toi qui es éducatrice spécialisée aussi, on s'occupait d'enfants, on ne parlait pas d'hyperactivité, on parlait de caractériel. Je pense que maintenant, ça s'est changé. Et je n'ai pas trouvé depuis quand
ces troubles-là ont été diagnostiqués et depuis quand on en parle. Mais il y a de plus en plus d'études qui ont été faites. Mais par contre, je n'ai pas su quand est-ce qu'on avait diagnostiqué déjà ces troubles-là. Depuis quand, je vais essayer de chercher. Depuis quand on parle de. On reconnaît l'hyperactivité en fait. Peut-être sur Amélie. Donc, ce n'est pas une maladie, mais. En fait, ça dépend ce qu'elle engendre. Voilà, ça dépend si sur les problématiques de comportement, ça crée de l'isolement, ça crée une rupture avec la vie sociale, la vie, la scolarité et tout ça. Ben, en fin de compte, c'est considéré comme une maladie. Après, l'enfant, il est perdu aussi. Oui. Parce qu'il faut les faire soigner, les enfants. Mais il faut les dépister. Parce que déjà, déjà, il faut qu'ils aillent voir, voir qu'ils ont. Puis après, il faut les faire quand même suivre et soigner. Oui, là, on va en parler justement sur comment. Que ce soit enfant ou adulte, d'ailleurs. Ouais. Même les adultes, il faut les faire soigner parce que sinon. Je n'en parle pas. Date précise, mais le trouble de 19e siècle, donc depuis 1845. Mais on parlait plus de caractère, non ? Mais plus sur c'était des notions qui n'étaient pas dites directement en fait. Mais de toute façon, toutes ces abréviations sont dites beaucoup plus tard que ce qu'elles ont été créées en fait. Oui. Donc, oui, mais même encore maintenant, le diagnostic, il est fait, là, ils disent que généralement, c'est vers 7 ans, parce que en fait, ils attendent de savoir si c'est vraiment le caractère qui parle ou la problématique. C'est en fait. Ça, c'est pour ça qu'à 2 ans déjà, il est difficile de diagnostiquer à l'âge de 2 ans, on diagnostique à 7 ans. Et déjà, à 2 ans, l'enfant peut... Voilà, 7 ans, on voit aussi avec l'apprentissage oui. De la lecture et tout ça, comment ils réagissent et comment ils se comportent à ce moment-là. Bonsoir, Maryse. Oui, je n'ai pas vu. Donc, l'hyperactivité, de quoi parle-t-on? Oui, donc le trouble, donc le TDAH, est un trouble d'origine neurologique qui a deux caractéristiques principales, donc l'inattention et l'hyperactivité ou l'impulsivité. Bien que ces deux types de comportements se retrouvent chez tous les enfants, ils sont chroniques et très prononcés dans ce cas. Et voilà, dans le cas des personnes qui sont atteintes de TDAH. Ils se manifestent dans toutes les circonstances de leur vie, pas uniquement à la maison ou à l'école, par exemple. Voilà, ce n'est pas des crises de nerfs. Ce n'est pas des crises de nerfs ponctuelles. Pour cette raison, l'évaluation peut nécessiter l'intervention de plusieurs professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'inattention. C'est parce que l'enfant il est peut-être inattentif aux consignes ou à des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est tête en l'air. Il peut souffrir quand même d'hyperactivité parce qu'on discerne dans ce trouble de déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est deux choses différentes, l'inattention et l'hyperactivité ou l'impulsivité. Et c'est là qu'on rentre dans un autre comportement, en fait. Et même à l'école, quand il y en a qui sont hyperactifs, ils ont quelqu'un... une aide scolaire. Pour, justement, qu'ils arrivent à... canaliser. Ouais. C'est ça. Mais des fois, il ne faut pas rester le temps longtemps avec ces personnes-là. Mais parce qu'il faut expliquer peut-être différemment, il faut peut-être utiliser des techniques. Je sais que les ABS, donc les personnes qui aident ces enfants, pas que ces enfants-là, mais qui aident les enfants, justement, ils ont des techniques d'apprentissage qui sont différentes et qui peuvent plus correspondre, on va dire, certes prendre plus de temps, mais qui correspondent peut-être un peu plus à certaines personnes. Oui. Donc, après, je crois que c'est sur le après. C'est sur l'inattention. Sur les symptômes. Ouais, donc, en fait, il faut que pour que votre enfant souffre peut-être de TDAH, il doit présenter depuis 6 mois au plus
six symptômes, donc là on m'a parlé de l'inattention, ou six symptômes d'inattention, ou six symptômes d'hyperactivité ou d'impulsivité, ou six symptômes d'inattention et d'hyperactivité et impulsivité. Donc il y a des catégories où des enfants peuvent être inattentifs, plus hyperactifs et impulsifs. C'est ça. Donc au niveau des symptômes d'inattention, donc c'est le premier, c'est n'est pas capable de prêter attention aux détails ou fait des fautes d'inattention dans les devoirs scolaires ou autres activités. Je continue. Oui, je continue. Oui. A du mal à soutenir son attention à la tâche ou dans les jeux, semble ne pas écouter quand on lui parle, ne respecte pas les consignes et ne parvient pas à terminer ses devoirs scolaires ou ses tâches ménagères, a de la difficulté à organiser ses activités ou ses travaux, évite, déteste ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu, comme le travail scolaire et les devoirs à la maison, perd les objets nécessaires à ses activités, se laisse facilement... Par exemple, les jouets, oui, les cahiers, les devoirs, les crayons. Donc, on dit des fois, il est tête en l'air, en fait. Oui, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire voilà. Que tu lui parles, il ne t'écoute pas, c'est ou il ne fait que perdre ses choses. Donc, se laisse facilement distraire par des sources de stimulation externe et a des oublis dans la vie quotidienne. Donc, tous ces symptômes-là, vous voyez qu'il y en a, si on les répertorie, il y en a... 6, 7, 8, 9. Donc, ça ne veut pas dire que si votre enfant, bonsoir, de ces symptômes-là, ça ne veut pas dire qu'il a des symptômes d'inattention. Mais par contre, il faut être vigilant et pas dire, oh, mais il est comme ça, il est comme son père, ou il est comme sa mère, ou il est tête en l'air, ou il est... C'est que peut-être ça peut déceler quand même quelque chose de sous-jacent dans le diagnostic qui peut être posé. Il y a un truc aussi, c'est que c'est une orthophoniste qui me disait que souvent les parents ils disent oui, ben, j'étais comme lui à son âge. Voilà. Et donc, oui, peut-être, mais par contre, chaque personne est singulière, comme on dit, et que peut-être que l'enfant, ben, il a d'autres soucis particuliers et qu'il ne faut pas passer à côté. En fait. Surtout que, bonsoir Aurélie. Surtout qu'en plus de ça, on n'est pas capable de prêter attention aux détails. C'est des choses qui sont soutenir l'attention à une tâche ou à un jeu, perdre ses jouets ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont quand même courantes chez un enfant. C'est pour ça qu'en plus de ça, le diagnostic, il est posé quand même aussi tard. Parce que c'est des tâches, c'est des choses dans la vie quotidienne qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas forcément le voir avant 7 ans. Et tout à l'heure, on parlait même, ils sont diagnostiqués entre 7 et 9 ans. Oui, ce n'est pas 7 ans, c'est en tout cas. Ouais. C'est justement, ben, comme disait Cécile aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il se développe dans les tâches, on va dire, de la vie quotidienne, avec de plus en plus de la concentration. Les apprentissages, ça. Voilà, c'est ça. Sur l'autonomie. Ouais. Bonsoir, Claudette. Bonsoir. donc voilà, si sur ces 6-là, sur ces 6 symptômes, s'il y en a, eh bien, il vaut mieux peut-être consulter et voir et pas banaliser, en fait. Parce que votre enfant, ça veut dire que là, il est en souffrance quand même. Hein. Mm. Et quand on parle de chronicité, c'est-à-dire que c'est pendant... Il faut que ce ne soit pas des choses comme ça de temps en temps. Il faut que ce soit quelque chose qui soit récurrent sur du long terme. Et on parle de 6 mois. Et quand on parle de 6 mois, on parle de chronicité, justement. Et on parle de tous les jours. Oui, voilà, c'est comme tu disais, ce n'est pas ponctuel et que ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas se gérer. C'est ça. Et l'orthophoniste avec laquelle j'avais discuté de l'hyperactivité m'expliquait que justement, des fois, elle voyait des parents hyper tôt parce qu'ils étaient paniqués à l'idée de savoir que leur enfant était vroom, 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 vroom. Mais en fait, c'était juste parce qu'ils étaient vroom, vroom. En fait. Ouais. Voilà, ça marche dans les deux sens. Et que du coup, elle suivait ses enfants pour canaliser leur concentration, tout ça. Et qu'elle disait, je ne peux pas demander à un de mes collègues de donner un diagnostic sur l'hyperactivité où on parlait aussi d'Asperger ou ce genre de choses, parce que justement, comme vous disiez tout à l'heure, il faut le temps de l'apprentissage et de voir si, en fait, en grandissant, ça guérit pas. Ça se stabilise toujours. Ouais. Et on parlait, on disait, bonsoir à tous, nous dit Claudette. Bonsoir. Et on disait justement qu'à l'adolescence, bien souvent, ces symptômes vont s'atténuer un peu. Et 50%, je répète pour ceux qui nous suivent que maintenant,
50% va perdurer à l'âge adulte. Mm. C'est pas rien, 50%. Ouais, c'est quand même un grand. Et on passe aux symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Voilà. Donc ici, c'est pareil, c'est sous forme de catégorie. Fin de... Comment on appelle ça ? Bonsoir Myriam, des points. Des points, voilà. De points à. De six choses à avoir ou non. Donc, alors souvent chez l'enfant, oui. ça c'est tout ça, sous ces points-là, on peut les retrouver chez l'enfant, mais on peut les retrouver chez l'adulte aussi. Hein. Nous allons voir pourquoi. Remue les mains ou les pieds, se tortille sur son siège ou manipule un objet sans arrêt. Pause. Voilà. Bonsoir. Il y a des personnes qui ne bougent plus. Les pieds, moi, c'est les jambes. Oui. Aïe. C'est ça. Donc, ça, c'est des fois, on peut voir des personnes qui sont en activité chez les adultes. Et en fait, ça épuise en plus. Hein. Il faut savoir que ça prend une énergie de fou. Hein. Parce que ce n'est pas forcément volontaire. Voilà. Donc, que ça soit dans un sens ou dans un autre, c'est considéré comme une pathologie parce que ça prend une énergie de dingue. Et les traitements, il n'y en a pas forcément trop. Donc, se lève en classe ou dans d'autres situations où il doit rester assis. Court ou grimpe partout dans des situations où cela est inapproprié sans craindre le danger. Je ne vais pas rire. Excusez-moi, je vais m'en remettre. A du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs. Ça, c'est nous, par contre. Oui, c'est ça. Est très actif ou agit comme s'il était monté sur des ressorts. Parle trop, répond de façon précipitée à une question qui n'est pas encore entièrement posée, a du mal à attendre son tour, interrompt les autres ou impose sa présence, a de la difficulté à contrôler ses gestes et ses paroles dans les moments stressants, ce qui peut le rendre arrogant et parfois agressif dans ses paroles ou ses gestes. C'est ce que tu parlais tout à l'heure. Ouais. Tolère mal la frustration imposée par certaines consignes et a des sortes d'humeur. Donc là, nous avons un peu plus de points puisque nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc, 12, c'est la moitié qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir diagnostiquer. Et ça, c'est aussi si on regarde, si on essaye de voir. Alors, on n'est pas tous hyperactifs, mais impulsifs. L'impulsivité aussi, c'est aussi des symptômes de souffrance et d'angoisse et d'anxiété, de manque d'estime de soi. Hein. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien que moi, je considère que c'est une réelle maladie et que c'est une pathologie qui doit être reconnue et diagnostiquée précocement, en fait, chez ces enfants-là. Bonsoir Myriam, j'ai dit déjà oui, bonsoir. C'est pas grave, excusez-moi. Doublement bonsoir. Oui. Toc. Donc, quand Non, parce que j'ai oublié les symptômes chez les mixtes, oui. En fait. Donc, les mixtes, on vous rappelle que c'est les trois, c'est-à-dire impulsivité et hyperactivité et inattention. Voilà, donc les enfants qui souffrent de TDAH du type mixte présentent à la fois depuis 6 mois ou plus 6 symptômes de TDAH du type inattention et au moins 6 symptômes de TDAH de type hyperactivité ou impulsivité. Donc, ça comprend les deux critères, en fait. C'est ça. Et inattention ne rime pas toujours avec hyperactivité ou impulsivité. Ça, il faut quand même le dire. Un enfant peut être distrait et présenter aucun signe d'hyperactivité, comme disait Lolo tout à l'heure. Les parents de suite vont consulter en disant « Mon enfant, je pense qu'il est hyperactif. » Les enfants peuvent être juste manqués d'attention sur certaines tâches, ont du mal à se concentrer, mais il n'y a pas de diagnostic qui peut être posé. Donc, ce qui attire généralement l'attention, c'est les éducateurs et les professeurs, c'est ce qu'on disait dans les milieux scolaires. Donc, du coup, le quand consulter. Donc, la durée du comportement, si elle dure
au-delà de 3 à 6 mois, généralement, on vous dit toujours, même si vous allez consulter à 3 mois, on vous dit attendez 6 mois, hein, comme toute pathologie chronique. Parce qu'il est nécessaire de consulter un médecin quand l'agitation de l'enfant est présente en tout temps, perturbe ses échanges et ses apprentissages et rend impossible à la vie familiale. Donc, c'est vraiment quand il y a vraiment un comportement qui peut être impactant dans la vie familiale et la vie sociale. C'est pas, il me semble que donc, voilà, la consultation, elle est dans la durée du comportement, mais il faut qu'il y ait vraiment un impact dans la vie quotidienne. Donc, sa fréquence plusieurs fois par jour ou plusieurs crises par semaine, donc ça, c'est comment le déceler à peu près, comment déceler ce comportement-là et surtout les symptômes durant une journée. Sa constance, cela lui arrive à plusieurs endroits avec plusieurs intervenants. Ça aussi, le lieu dans lequel se trouve l'enfant, souvent, n'est pas forcément pris en compte. Oui. Mais c'est une des premières questions qu'on vous pose chez des professionnels. C'est est-ce qu'il fait ça à plusieurs endroits, ailleurs? Est-ce que c'est peut-être qu'avec papi, mamie? Est-ce que c'est parce qu'il est avec la maîtresse? Est-ce que voilà? Et ça, généralement. Il y en a que c'est qu'à l'école. Ouais. À l'école et pas dans le milieu familial. Et puis, il y en a que ce n'est pas du tout dans le milieu familial. Et il y en a à l'école. Et c'est pour ça que des fois, alerté à l'école, les personnes elles se posent des questions. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Donc, son intensité, cela a des conséquences pour l'enfant et son environnement. C'est ce que nous disait Annick tout à l'heure. Et l'impact sur sa vie, cela affecte son estime de soi, ses résultats scolaires, etc. Donc, ça, c'est les sources de Geneviève Pelletier qui psycho-éducatrice auprès de la commission scolaire de Montréal. Donc, je pense aussi que ces recherches-là, surtout ce qu'on a cherché dans ces recherches qu'on vous a parlé ce soir, il y a beaucoup de choses qui sont, et des études sont faites par Montréal, parce que Montréal, quand même, ils sont quand même chose, oui, sur l'apprentissage, le modèle d'éducation et tout ça. Oui. C'est ça. C'est sur l'éducation en général, ouais. Ils sont très, donc, très certaines, développés. Certaines situations peuvent occasionner des symptômes semblables à ceux. C'est le cas, par exemple, d'une situation familiale conflictuelle. Quand des fois, lors d'une séparation, il peut y avoir un enfant qui va changer de comportement. Mais justement, ce n'est pas forcément que votre enfant il devient hyperactif, c'est qu'il a besoin de plus d'attention, ou il est plus en difficulté, ou il a des angoisses, ou il a des émotions qui parlent. Qui des émotions différentes. D'une incompatibilité de caractère entre l'enfant et son enseignant aussi, et des conflits avec des amis. Il y en a qui sont plus sociables, il y a des enfants qui sont plus sociables que d'autres. Parfois, il y a des troubles auditifs aussi qui expliquent l'inattention. Donc ça aussi, ça peut être un problème. Enfin, d'autres problèmes de santé peuvent provoquer ce type de symptômes ou les amplifier. En cas de doute, mieux vaut en discuter avec votre médecin de l'enfant, en fait. Bonsoir, Olivier. Et ça me rappelle le petit qui était à côté de ma chambre à l'hôpital. Genre à l'école, il se faisait insulter de tous les maîtresses, il pétait un boulon, tout ça. Et en fait, c'est parce qu'il avait, il avait je ne sais pas combien à une oreille. Et en fait, il n'entendait pas. Donc, quand il parlait là, ben, il n'entendait pratiquement pas. Il ne comprenait pas comment il parlait à lui. Mais il était petit, hein, mais il avait quoi? Oui, c'est il devait avoir ça. 6 ans, quoi. Et en fait, il lui parlait, il pétait un boulon. Les profs, ils pétaient un boulon. Ils disaient, mais il ne nous écoute pas. Il se faisait tout le temps punir. Et il disait tout le temps à sa mère, je ne veux plus y aller parce que la maîtresse est méchante. Et en fait, c'est parce qu'il avait une oreille, et sans s'en rendre compte, puisque juste sa mère disait qu'après, elle s'en était rendue compte en regardant vraiment comment son fils écoutait. Et qu'en fait, il tournait tout le temps la tête comme ça. Parce que justement, il entendait depuis l'oreille. Justement, ma fille, je m'en suis aperçue parce qu'elle était tout fort. Ouais. Et c'est vrai, quand tu me parlais, donc, elle était toujours ailleurs, mais en fait, elle avait des otites séreuses. Ouais. Donc en fait, ça lui faisait pas mal, mais elle n'entendait pas. Oui, c'est pour ça qu'elle n'était pas inattentive. Elle avait un problème auditif. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que c'est. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention, ouais, aussi, ouais, et mais pas diagnostiquer de suite. C'est pour ça que c'est important de, voilà, d'aller voir avec des professionnels qui gèrent ça. Salut Polo. Salut. Qui gère ça et pas voilà, le commun des mortels qui dit bon, mais ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Oui, forcément, c'est pour ça qu'il faut aller voir. Déjà, tu élimines. Élimine, voilà, ouais. C'est ça. Et ça, il n'y a que des professionnels qui peuvent éliminer.
Parce qu'après, moi, je peux vous faire des tests auditifs, mais vous allez perdre quelques centièmes, si vous voulez. Non, ça va aller. Non, non, ça, ça ira. J'aurais proposé. Alors, par contre, oui. Les codes, parce que je ne sais plus où je suis là. Oui, mais là, les causes. Contrairement à la croyance populaire, le sucre n'a pas le pouvoir de rendre les enfants surexcités, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que les sucreries, ça excite. Oui. Et en fait, ben non. Donc, ce trouble neurologique, c'est un trouble neurologique complexe qui n'a pas une cause unique. C'est probablement lié à certaines substances chimiques dans le cerveau qui n'est causé par le besoin affectif non comblé ni par des problèmes psychosociaux. Même s'il peut s'agir de troubles héréditaires, certains facteurs peuvent toutefois augmenter le risque, comme l'exposition du fœtus à certaines substances toxiques comme l'alcool, le tabac ou les drogues. Alors, je ne sais pas si... On n'en parle pas après. Non. C'est ça. Là, c'est donc ça, c'est vous faire voir que l'exposition donc du fœtus à des substances toxiques, une méningite bactérienne, un traumatisme crânien, les prématurés et tout problème survenu à l'accouchement y a causé un manque d'oxygène au nourrisson. Donc chez les prématurés, il faut être beaucoup plus vigilant aussi. Donc, le diagnostic n'est pas facile à poser et il n'existe aucun test ni examen médical permettant de diagnostiquer clairement. Donc, les spécialistes font une évaluation approfondie de l'enfant sur son milieu de vie pour l'aider à déterminer si un enfant souffre de problématiques, de troubles comportementaux. Donc, les critères comportementaux définis sur l'ouvrage. C'est sur un ouvrage des tests psychologiques, des tests neuropsychologiques, certaines échelles comportementales remplies par les parents, les professeurs, et ça s'appelle l'échelle de Koners. Donc, comme on disait, il n'existe aucun traitement pour traiter l'hyperactivité. Pour guérir. Voilà. Et après, il y a des enfants qui sont obligés de prendre des traitements qui sont style neuroleptique, mais ça c'est pas sur sur tout. Oui, c'est pas sur, particulier voilà. À certaines personnes. Donc l'objet, c'est parce que en fait le problème c'est que les enfants qui font des crises comme ça d'angoisse, eh bien on est obligé de les apaiser parce que c'est fatigant pour lui aussi. Oui, oui. Donc, il faut trouver un traitement. Il y a un moment, il donnait beaucoup trop facilement. Il avait la paix et la rétablissement. Donc, maintenant, ils disent qu'il n'y a pas un accompagnement psychologique qu'il faut mettre en place. Donc, l'autre, son évolution, lorsque les troubles du comportement est bien traité, son évolution est généralement bonne. Donc, il faut arriver à travailler sur le rejet, sur la souffrance et sur l'estime de soi. Et par contre, il n'y a pas plus. Il y a une question qui était posée. Y a-t-il plus d'enfants atteints de troubles d'hyperactivité ou d'inattention qu'avant? Nous n'avons pas d'études dans ce sens. Je crois tout simplement que ce trouble, mieux cerné qu'avant. Cela dit, le style de vie actuel peut faire en sorte que ce trouble dérange plus qu'il ne le faisait avant. Les familles étant plus petites, la pression et la réussite subies par chaque enfant augmentent. En outre, la société demande d'être plus productive. Les familles se sentent plus forcées de traiter les enfants. Donc ça, c'est une pédiatre qui disait ça, en fait. C'est ça, et ça aussi, il faut le prendre en considération, le fait que les sociétés changent, les regards sur les comportements dans la famille aussi. Et justement, après, c'est pour faire aussi déculpabiliser l'enfant d'être, comme ils disent, différent, en fait. Ouais. Et que, ben, peut-être tu as des difficultés, mais par contre, voilà, ça n'empêchera pas ces personnes-là de réussir s'ils sont dans une branche qui les intéresse et qu'ils ont envie, surtout. Parce que du coup, ça va les motiver. Ça lui défie un petit peu, excuse-moi. Ça va les motiver. Ça va les motiver à
à vouloir faire et à se battre contre eux-mêmes parce que, c'est, comme disait Annie tout à l'heure, c'est fatigant pour ces personnes-là. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter, ils ne peuvent pas forcément arrêter et que tu n'as pas trop le choix. Et c'est surtout qu'ils disent, que le traitement, c'est qu'il faut que l'enfant doit absolument être partie prenante des discussions et des décisions le concernant, en fait. Et c'est là que tu te dis que le fait, quand on parle de rendre acteur le patient, tout ça, ouais. Tu te dis que ça commence très déjà. Tôt. Et là, tout à l'heure, en cherchant justement TDAH pour la date, de savoir quand est-ce qu'on utilisait ce terme, j'ai vu qu'il y avait des livres faits exprès sur l'hyperactivité expliqués aux enfants. Oui. Donc, avec des dessins, avec des BD, des choses comme ça. Je trouve ça cool parce que ça te... Ça le met à l'écart, en fait. Et là, de te dire que tu as un livre entre parenthèses sur toi, mais je trouve que c'est rassurant pour l'enfant. C'est ça. Et facilement. Et ils te disent que le traitement, il doit être pluridisciplinaire. Mmh. On en revient toujours à la même chose pour les adultes. Il doit être individualisé et il ne faut pas qu'il y ait de préjugés associés. Il y a beaucoup, malheureusement, dans l'époque dans laquelle on vit, il y a des préjugés qui sont tenaces, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'un enfant qui va faire un caprice au milieu du magasin, on va dire qu'il est mal éduqué. C'est les clichés qui sont là, alors que peut-être cet enfant, il a des problèmes, il a des raisons. Donc, d'une intervention psychosociale, programme d'aide à l'habilité sociale, psychothérapie comportementale, thérapie familiale, soutien pédagogique ou participation à des activités sportives ou communautaires en milieu scolaire. Par contre, les médicaments, ils disent que justement l'intervention d'un psychologue, ils ne sont pas favorables aux médicaments. Ils ne prescrivent absolument pas de médicaments seulement parce qu'un enfant est turbulent. Et ils ne préconisent pas, eux, dans l'étude, de traitements tels que les tranquillisants. La plupart des médicaments utilisés sont des stimulants. Leur effet est comparé à celui obtenu lorsqu'on prend un café. Donc, en fait, c'est juste quelque chose qui va être... bonsoir, Christine. Coucou. Qui va être donné à l'enfant, mais juste pour essayer d'apaiser, en fait. C'est ça. Mais pour son bien-être, voilà. Voilà. Pas pour le voisin. C'est surtout pour qu'il se sente mieux et qu'il puisse continuer à vivre et à ne plus avoir autant de contraintes, en fait, dans sa vie. C'est ça. Et en plus de ça, les médicaments... entraîne des conséquences quand même, des effets indésirables sur la perte d'appétit, des somnolences. Comme on disait, on voyait beaucoup sur des enfants qui sont hyperactifs, et bien de prendre des médicaments, après l'enfant a des problèmes de somnolence, des tics qui peuvent se... de la tristesse ou des variations d'humeur aussi. Donc au niveau des soins et des conseils pratiques, donc, vous pouvez confier à votre enfant une seule tâche à la fois et assurer qu'il l'a fait bien, donc avant de lui en donner une autre. Au besoin, décomposer les consignes étape par étape pour que ça soit plus facile à comprendre et à réaliser. Ça, c'est des mises en pratique qui sont simples à faire. Et quotidiennes. Et simples à faire et à mettre en place dans le quotidien, voilà. Ensuite, éviter autant que possible de le laisser dans un groupe turbulent ou de le mettre en présence d'une personne agitée ou impatiente. Ça aussi, sur le truc d'hyperactivité, il disait que les enfants, par contre, turbulents, mais turbulents sans être hyperactifs, qui font plein de bêtises ou de choses comme ça, arrivaient à influencer très rapidement ces personnes hyperactives parce que ils sont au niveau des émotions plus sensibles qu'une personne lambda. Quand tu vois, quand on te dit, quand tu as tendance à avoir les idées noires ou être le moral en berne, il ne faut pas que tu sois avec des personnes qui soient avec le moral en berne parce que sinon, tout le monde se tire une balle. Hein. Donc, en fait, dans l'autre sens, c'est la même chose. Trouvez-lui un endroit calme où il pourra faire ses devoirs et accomplir d'autres tâches qui demandent de l'attention. Et ça, c'est pareil. Ça dépend aussi des enfants. Puisque tu vois, les orthophonistes, par exemple, qui doivent s'adapter en fonction aussi de l'enfant qui est en face. L'orthophoniste que j'allais voir, le petit qui était avant moi, elle lui mettait de la musique pour qu'il se concentre.
parce que c'était le seul moyen qui, où ils arrivaient en fait à le canaliser. Ça le calmait au niveau du comportement et de son impulsivité. Et après, il arrivait à faire. Alors, il ne fallait pas que ça soit du boum-boum, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ben, lui, par contre, il n'arrivait pas à se mettre dans un endroit calme. Et c'est pour ça qu'on vous, on vous donne ces conseils-là. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à consulter. Et que ces professionnels seront plus à même de vous dire quelle est la bonne situation. Et les professionnels, et quand on dit l'enfant, il est capable de, de vous le dire aussi. C'est ça. Et même si ça, paraît loufoque, eh ben, y a des personnes qui arrivent mieux à réfléchir dans certaines circonstances qui semblent totalement aberrantes pour certaines. D'autres. Alors, règlement, non, mais c'est pas ça, on n'en est pas là. Alors. Je crois que c'est après ça. Mais excuse-moi, je suis, je suis un peu perdue dans mon. Depuis tout à l'heure. Oui. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, ah, coucou Magali aussi. Ah, vous avez et Odile. Odile, oui, je l'avais vu. Donc, pour l'aider à se concentrer, réduisez les sources de stimulation et de distraction dans son environnement, comme la télé, les jeux de vidéo, la tablette, l'ordinateur. Favorisez les activités calmes. S'il a de la difficulté à dormir, incitez-le à se dépenser physiquement durant la journée et à faire des activités calmes avant d'aller au lit. Créer une ambiance de détente avant l'heure du coucher. Donc, tamiser la lumière, mettre de la musique douce, utiliser des huiles essentielles aux propriétés apaisantes ou tout autre, etc. Et discutez-en vraiment. Après, je pense que la communication, on en parle beaucoup, mais la communication, elle est importante. Et encore plus avec votre enfant. Votre enfant, il est capable de vous dire qu'est-ce que c'est qui va l'apaiser. Et vous, en l'observant, même s'il n'est pas capable de vous le formuler, en observant, vous pourrez voir que ça ou ça, ça va lui faire du bien, en fait. Non, mais c'était ça. C'était sur le même truc? Non, 4 conseils. Parce qu'après, attends, juste, on règle le problème technique. Hein. Mais parce que c'était, du coup, ça en était d'autres. Donc, avant cette question-là, parce que vous y répondez pas rapidement, donc 4 conseils. Donc, lui donner un cadre de vie calme, l'aider à se concentrer, ça, l'hôtel vous l'a dit. Faut-il supprimer, alors, c'est pas supprimer les jeux vidéo, hein. C'est lui donner les jeux vidéo parce que vous vous rappelez qu'il ne faut pas créer de frustration. Donc, si on a un plein du temps à ses besoins, alors tout ce qui avoir un planning, avoir une organisation dans sa journée, savoir se dire le matin, il se lève et il peut avoir un emploi du temps spécifique. On conseille de le laisser dans sa chambre une heure avant son heure d'endormissement naturel. De 20h30, admettons, et la consigne, c'est de lire ou de jouer doucement et de le mettre au lit vers 21h30, où on éteint la lumière, ou alors on le laisse avec une petite loupiote. Mais même, ils disent que pour les adolescents, c'est des fois la même chose. Moi, je ne sais pas, je suis peut-être hyperactive, je n'en sais rien, mais je ne peux pas dormir dans le noir. Il me faut toujours une petite lumière, parce que sinon, ça va créer quoi? Ça va créer de l'angoisse, en fait. Et chez votre enfant, ça va être la même chose. Donc, expliquer clairement les règles. Il faut vraiment communiquer avec votre enfant. Ça, c'est primordial, en fait. Oui. La communication. Oui. Voilà. Mais je pense que ce qui est hyper important, et ce que tu as mis d'autres aussi, c'est le fait d'organiser. Parce que les personnes qui... Alors, c'est sur l'autisme, mais c'est une pathologie assez particulière aussi. Et sur les troubles de l'attention, tout ça, on le retrouve beaucoup là aussi chez les personnes qui sont autistes. Mais le documentaire que je vous parlais l'autre jour, quand on parlait de l'autisme, ben, disait que justement, il y avait un enfant qui disait « moi, je suis perdu, en gros, si je n'ai pas mon organisation, si je n'ai pas mes horaires ». Les parents disaient que le fait de faire des listes, pour lui, c'était plus facile. Et il se régalait tous les soirs d'arriver, de faire ses croix sur ses listes pour se dire, voilà, ça c'est fait, j'ai fait mon cartable, j'ai pas oublié mes livres, j'ai fait, voilà. Il se retrouve dans un cadre.
Ouais. Parce que sinon, ils partent dans tous les sens. Mais sous forme de jeu, en plus, ça peut être sous forme de jeu. Non, voilà, mais quand on dit qu'avec les enfants, il faut être créatif et il faut être toujours celui qui vive pour ne pas les ennuyer ou pour justement pour qu'ils puissent se développer correctement et tout ça, ben c'est pas des conneries en fait. Bonsoir Marie-France. Et dans ce que tu dis là aussi, ils disent qu'il est important, de, au lieu de punir l'enfant, de le récompenser justement pour le fait de dire quand il arrive, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta journée, j'ai pu faire ça, j'ai pas fait ça. Mais pas le punir parce qu'il n'a pas fait cette tâche-là, mais le féliciter et l'encourager plus. Et ça, les spécialistes insistent sur la valorisation de ce que va pouvoir mettre en place l'enfant, en fait. C'est ça. Et comme partout, puisqu'on doit jouer sur l'estime de soi, donc forcément, le fait de punir, alors on ne dit pas s'il a vraiment fait une grosse connerie, voilà, ça reste une grosse connerie, mais par contre, sur on va dire des choses bateau, alors moi ça me fait rire les mots dans les cahiers où il y a marqué il a oublié son livre, il a machin, il a truc, quand ça fait pas de mal à personne, entre parenthèses, ben oui, il a oublié son livre, ça arrive à tout le monde, et justement dire ben écoute, t'as oublié ton livre, c'est pas grave, la prochaine fois ça ira mieux, par contre qu'est-ce que t'as fait de ta journée, ah ben t'as fait ça, ah ben voilà c'est cool, et comme tu disais, voilà, le valoriser. C'est pas en lui donnant raison, en lui disant bien, t'as bien fait d'oublier ton livre. Non, c'est juste voilà. Parce que une mise en garde, mais pas une punition. C'est ça, quand c'est attirer son attention. Et puis après, quand il oublie certaines choses, c'est attirer son attention et répéter ce qu'il a oublié de faire. Pour qu'après, ben, ça devienne peut-être qu'il le comprenne et qu'il arrive à le faire. Parce que l'apprentissage est des fois beaucoup plus long et beaucoup plus difficile, en fait. Vas-y. Donc, la prochaine question. Chez l'adulte, comment se manifeste-t-elle la l'hyperactivité, à votre avis? Mais il y en a qui veulent taper sur tout le monde. Hein. Ah. C'est pas de l'hyperactivité, ça. Des impulsivités. C'est l'hyperviolence. C'est naturel. Vouloir taper sur la gueule de tout le monde, c'est pas trop naturel. Hein. Je sais que j'ai été diagnostiquée que c'était pas naturel, donc... On m'a posé une problématique, on m'a posé une pathologie dessus. Hein. L'hyperactivité, c'est que tu fais plein de choses, tu expliques, tu ne t'arrêtes jamais. Ouais. Chez l'adulte. Chez l'adulte. Entre autres. Ouais. Entre autres. Est-ce que vous avez d'autres idées? Vous, chez vous, n'hésitez pas hein, à commenter. Parce que vous ne parlez pas beaucoup, hein. Beaucoup nous regardent, beaucoup nous suivent, mais vous n'avez pas trop d'idées. Ou c'est un sujet qui ne vous intéresse pas trop. Proposez-nous des sujets aussi, parce qu'on arrive un peu aussi au bout de la... Au bout de la corde? Non, ça ne se dit pas. Au bout de la... Des idées. Des idées, voilà. Donc, ils nous trouvent... Tu veux que bouger? Donc, quelqu'un qui ne fait que bouger. C'est ce qu'on retrouvait chez les enfants aussi. C'est vrai, je n'ai pas dit que c'était... Mais alors, tu vois, je n'ai pas dit que c'était des codes. J'avais même rien dit d'ailleurs. Bon. Bon, mais personne ne se manifeste, donc on va y aller. Donc, l'hyperactivité autour du déficit de l'attention avec... Hyperactivité se manifeste par une impulsivité verbale et motrice et une perturbation de l'attention. Celle-ci est irrégulière et peut donc rendre ce trouble difficilement décelable et diagnosticable. Surtout quand tu es adulte, en fait. Oui. Hein. Quand tu es adulte et que ben, tu as toujours plein de choses à faire, donc tu es toujours sur 4000 choses à la même temps, et ben, c'est super. C'est super compliqué de mettre le terme d'hyper. Et en fait, Michel Freud, psychothérapeute et sophrologue, a beaucoup écrit sur ces troubles et ces symptômes, ces signes, parfois difficiles à déceler chez l'adulte. C'est très intéressant, rien à rajouter, nous dit Claudette. Ah, très bien, alors. Ça se suffit à nous-mêmes, alors. Donc, ce trouble est un désordre neurologique aggravé par des facteurs psychosociaux. Et donc, on parle souvent d'une association de trois dimensions, c'est les mêmes que tout à l'heure, donc déficit d'attention, hyperactivité et impulsivité.
Alors, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, inattention, tout à l'heure, on disait. Ouais. Et là, pour l'adulte, on parle de déficit d'attention, en fait. Ouais. Ça veut dire que quand tu es enfant, tu peux être inattentif. Quand tu es adulte, tu ne peux pas être inattentif. C'est tu ça. As un déficit de l'attention. Quand tu grandis, tu dois toujours être attentif, en fait. Parce qu'en fait, je pense que tu peux plus réaliser que tu n'es pas attentif. Tu n'es pas attentif, l'enfant, il ne sait pas. Oui, mais c'est super compliqué à... C'est super compliqué à déceler. Des fois, quand on dit... moi, combien de fois j'entends les adultes qui disent maintenant... on parle beaucoup d'Alzheimer, de choses comme ça. Il y en a beaucoup qui disent « Oh là là, je ne retiens plus ou je n'entends plus ou je n'arrive pas à me rappeler des choses, donc je dois avoir Alzheimer. » Donc, en fait, c'est où vous avez peut-être un problème juste simplement d'audition, ou en fait, votre cerveau, il est tellement sur plein d'autres choses qu'en fin de compte, eh bien, vous manquez d'attention, en fait. On n'écoute pas. Donc, vous manquez d'attention et en fait, vous n'avez aucun autre symptôme que de manque d'attention parce que votre cerveau et votre cerveau est pris ailleurs. Donc, c'est quand l'adulte, on va lui dire, un enfant, on va lui dire ça, chez un adulte, on va dire, mais j'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas être partout, en fait. Mais la problématique, c'est que la pathologie, elle peut être là aussi, hein. Bonsoir, monsieur Conchiro. Bonsoir, monsieur Conchiro, qui est très attentif. J'espère que tu trouves ce sujet très intéressant. Donc, quelques manifestations. Donc, il y a une tension, un bouillonnement interne qui peut s'observer physiquement. De concentration, nous disait Claudette, je pense que c'était par rapport au déficit et tout ça. Ah oui, c'est un manque de concentration. Oui, mais le manque de concentration n'est pas un déficit d'attention. D'après ce que je comprends, il y a une différence. Entre l'attention et la concentration. Voilà. Ah oui, oui. Il y a une différence parce que dans tous les écrits, là, la concentration, tu peux ne pas être concentré parce que tu peux être, tu peux avoir des ruminations, mettons. Yes. Donc, il faut vraiment... On parle quand même beaucoup plus sur... Pour l'adulte sur ces trois dimensions. Hein. Alors, l'attention, définition du Larousse. Ah. Concentration de l'activité mentale sur un objet. D'accord. Et, je ne sais plus le deuxième mot. Manque d'attention. Déficit d'attention. Non, c'est attention et inattention. Non, c'est concentration. Concentration. Manque de concentration. Concentration. Ce qui réunit des éléments associés. Donc, redis-moi la première. Allez, je vous laisse avec ça. Redis-moi la première. Donc, alors, la concentration, je répète la concentration, comme ça, après, je fais un feedback. Ce qui réunit des éléments associés, c'est-à-dire qu'il faut que tu lises, il faut que tu mènes ton attention justement sur ce que tu es en train de faire, c'est puisque ça. L'attention, c'est concentration de... l'activité mentale sur un objet. C'est ça. Donc, c'est un joyeux bordel. Non, donc, c'est bien ce que je dis. L'attention, les attentions font partie de ta concentration. La concentration est constituée d'attention. Et dans ton attention, il y a de la concentration. C'est, oui. C'est bien ce que je dis, joyeux bordel. Mais c'est super intéressant de se poser des questions comme ça, hein, je trouve. Hein. Et tu t'étonnes que les philosophes ils finissent tous tarés, c'est normal, ou qu'ils sont tarés déjà de base. Non, ils ne sont pas tarés. Les philosophes ? Non. Ça n'était pas trop. Non, moi j'aime bien les chercheurs en sciences humaines. Et... Oui, mais alors, ce n'est pas parce qu'on les aime bien qu'ils ne sont pas athées. Eh bien oui, mais moi je trouve que je suis peut-être athée parce que j'aime bien me poser des questions. Ah non, mais c'est sûr, mais je ne dis pas que ce n'est pas du tout. Je deviens fou quand même, hein, un peu des fois. Ah, merci, donc c'est ce que je suis en train de dire, j'insiste. Hein. Parce que bon, on se pose des questions toute la journée, à un moment donné, quand tu ne veux pas te donner une réponse, parce que tu n'as pas le droit de donner une réponse, parce que tu n'es personne dans ce monde. C'est la problématique. mais en fait, tu vois, de soulever ce... Des fois, on utilise des mots sans forcément aller chercher. Mais je pense que peut-être on est hyperactif parce qu'on va chercher la définition. Du mot, du mot et ça, de l'autre. C'est super intéressant. Quand tu mets une action, la marche, ce n'est pas « je marche », c'est un ensemble de mouvements qui fait que tu vas marcher en fait.
Et bien là, c'est pareil. L'attention. Parce que quand tu marches, il te faut de la concentration. Et oui. Puisque c'est des éléments associés. Mais pour ça, il faut avoir de l'attention. Et oui. Pour éviter de te péter la gueule. Donc, et il faut que tu te concentres dans ton attention et tu dois mener ton attention pour aller à la concentration. Bref, c'est le bordel. Et donc, marcher, tu continues à marcher. Ça me tombe bien, en fait. Et c'est mieux. Il paraît très. C'est pour ça que des fois, il y en a qui marchent. En roulant. Non, il y en a qui marchent. Et je vais vous donner un exemple. Il y en a qui marchent et quand on les fait marcher, on essaye de faire marcher les jambes droit. Ah oui. Donc, pointe du pied, talon, pointe. Donc, en fait, les personnes, elles vont se centrer et quand elles vont arriver sur un chemin accidenté, le regard va se focaliser sur ce chemin accidenté. Elle va perdre son attention sur la marche. Parce qu'elle n'a qu'une peur, c'est de se casser la figure. Parce qu'elle se centre et elle ne se concentre pas. Donc, vous voyez que c'est ça. J'adore le français. Et donc, c'est super compliqué d'arriver à... Oui, des fois, on demande des choses simples. On dit, ben, pourtant, c'est simple, fais attention. Fais attention à ça ou fais attention à ça. Quand même, tu arrives à le faire. Et bien, dès que... le cadre va changer, mmh. Et bien le cadre en changeant, ça va faire perdre l'attention que tu devais porter à quelque chose en fait. Mais moi je trouve ça rigolo de dire à Françoise toutes les 3 minutes, Françoise, ton pied. Mais alors que des fois, tu vois, quand tu es aussi sur la fatigue, oui. Parce que du coup la fatigue n'est pas un élément direct, mais plus un élément indirect. Que tu ne te rends pas forcément compte et pouf, et d'un coup, tu vois le petit François qui fait casse de Bryce. C'est ça. Et là, tu sais qu'à un moment donné, il faut le dire à François, est-ce que tu es avec nous? Et après, sur quelques mètres, elle ne le fait plus. Mais et ça, c'est une victoire. Mais ça, c'est il y a beaucoup de personnes. Hein. Ah, mais tout le monde. Catherine. Bonsoir, Catherine. On a tous les problèmes, les gens qui ont des problèmes de dos. Et les gens qui ont des problèmes de dos, ben, avec la fatigue, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais qu'il faut que tu te tiennes droit. Ouais. Sauf qu'en fait, est-ce que tu y penses ben, et avoir une attention particulière sur ce que tu es en train de faire. Et donc, l'attention que tu portes de base sur ton dos, elle est partie. C'est plus mort. Ah, parlons plus mort. Comme ça, tu fais pas de pub pour Truffaut, c'est ça, c'est ça. Salut. Allez, jardin. La carte pro, elle a. La carte pro chez Truffaut. N'hésitez pas à nous contacter. Magali, bonsoir Magali. Donc, oui, donc on était sur les manifestations. Oui, donc les manifestations, il y a une tension, un bouillonnement interne qui peut s'observer physiquement, c'est ça qu'on est en train de dire. Oui. Donc une agitation, bien sûr. Une agitation de certains membres, une impossibilité à rester longtemps assis ou debout au même endroit. Donc ça, on retrouve ce qu'on trouvait chez les enfants. Hein. Les hyperactifs ont constamment envie et besoin de bouger et peuvent aussi avoir des fourmillements. Ça s'appelle des impatiences. Oui. Par moment. C'est comme les fleurs. Tu connais les impatiences? Oui. C'est pas les impatiences. Mais... Si. Ouais, mais parce que j'ai fait horticulture aussi. C'est ça. Non, je ne savais pas. Mais par contre, c'est désagréable. Les fleurs, c'est joli à regarder. Mais les impatiences? Les impatiences, c'est quand même difficile à gérer, en fait. Donc, ils sont par exemple incapables d'aller au cinéma puisque rester assis dans un fauteuil pendant plus d'une heure n'est pas envisageable et l'idée même de rester sans bouger devant un film peut angoisser. Voilà, mais c'est comme moi, je ne peux pas me poser sur mon canapé en fait. Et je pense que je suis devenue hyperactive. Je ne peux pas rester en place, il faut que je bouge. Alors, même et rester oui, parce sur parce que là, canapé. On l'a scotché sur sa chaise. C'est ça. Comment ? Yannis disait qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps, il fallait pisser. Mais je ne me lève pas parce que j'ai une mission à faire. C'est ça. Mais parce que surtout, tu me donnerais le vire-vire si tu te levais toutes mais les non, 3 minutes. Mais surtout que pour moi, c'est important et ça me tient à cœur. Par contre, quand je regarde quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément, il faut que tu bouges. Il faut que je bouge. Et quand on me dit, mais pose-toi sur le canapé, j'ai l'impression de mourir en fait, de m'éteindre. Et, ça, c'est... et mon cerveau, il... Voilà. Au lieu justement de décogiter, c'est ça. Et ça crée des angoisses. Oui. Donc, il y a d'autres manifestations et risques, comme le cerveau en ébullition.
Donc voilà, les personnes atteintes ont un mental trop actif. Voilà, c'est moi. Donc rappelez-vous qu'on a dit au début, pour ceux qui suivent que maintenant, au début, on a dit que l'hyperactivité n'a rien à voir avec la non-intelligence ou l'intelligence. D'accord ? Donc arrêtez d'associer des choses qui sont fausses. Donc un mental trop actif, dans leur tête, tout va trop vite. C'est pour ça que je disais les chercheurs. Ils sont tarés. Moi, je comprends. Non, ils ne sont pas tarés. Ah, si, si. Ils sont très intelligents, au contraire. Mais je n'ai pas dit qu'ils étaient cons. J'ai dit qu'ils étaient tarés. Dans leur... Mais c'est à peu près la non, même chose. Non, non, non. Je ne peux pas entendre que tu parles de ce monsieur de cette manière-là. Taré. Alors. Il y a une tare. Peser avant de le remplir afin de pouvoir déduire son poids de foie brut. Non, une tare. Une tare, ça veut dire qu'il y a le manquement. Non, mais oui, mais pas une tarée, ça veut dire qu'il est un peu habité, mais comme moi, je suis habité. Eh bien, voilà, on est tous un petit peu habité. Mais oui, c'est pour ça que ce n'est pas une attaque. Donc, surtout que ce n'est pas moi qui peut faire ça, parce que je suis un peu habité aussi. Par conséquent, ils sont souvent, bien souvent, facilement identifiables dans, justement, qu'on voit que tout se bouscule dans sa tête, hein, et que des fois, comme moi, là, à l'instant, il y a plein de choses qui sont dedans et en fait, je n'arrive pas à avoir le sens de là où je veux aller, en fait. Donc, il y a tellement de choses qui se bousculent dans la tête entre mon ami de gauche qui est en train de m'attaquer une personne et comment je peux le défendre et rester concentrée. Tu vois, il y a marqué obstacle. Je suis conflit. Ton obstacle. Non, obstacle, conflit. Donc, je suis pris dans mon cerveau est pris. Donc, je ne suis plus avec vous, mais non. Je vais revenir. Mais mesdames et messieurs, donc, je ne fais pas de reproche à ce personnage. J'adore ce personnage. Si je ne l'aimais pas, je te dirais que c'est vraiment un scandale. Donc, des fois, quand ton cerveau est trop en ébullition, eh ben, les mots ne sortent plus de ta bouche. Et tu n'arrives plus à trouver le sens de tes phrases. Donc, ça, c'est la définition du cerveau en ébullition. J'ai fait le genre de Nicotio. Oui, c'est à peu près. Donc, ensuite... dans une conversation, un tiers, il y a généralement une attention qui est soutenue. La personne va passer du coq à l'âne. L'interlocuteur ne verra pas forcément faire le lien direct. Donc, il y a des personnes, des fois, qui commencent par quelque chose et qui perdent le lien. Et en fait, hop, qui sortent autre chose parce qu'elles ont peur d'oublier. Tellement qu'il y a des idées. Ça va vite. Ça va vite à la seconde. Voilà. Donc, une alternance de phrases on-off. Alors, un changement d'humeur et de niveau d'énergie ont souvent été observés chez ces personnes hyperactives. Elles alternent entre des phrases on et des phrases off. Leur humeur est changeante. Ils peuvent facilement passer d'une phrase hyper positive ou tout ça impossible à un coup de mou imprévisible. C'est à force de s'épuiser mentalement et physiquement, de courir après les choses, sans cesse, idées, activités, projets, que les phrases off arrivent. Donc, on est sur la pensée positive et la pensée négative. Et là, on parle des personnes, qui sont, du coup, impulsivité et hypersensibilité sont également des caractéristiques de ce trouble. Donc, on appelle, quand on diagnostique des troubles comme ça sur l'hypersensibilité, on appelle des borderline. Bonsoir. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fou. Hein. Ça veut dire que c'est un diagnostic supplémentaire. Donc ensuite, l'incapacité à terminer ce qui est commencé. Donc, les symptômes qui peuvent être qui sont des tâches justement à gérer tout le temps, comme d'habitude, on a tendance à se lancer dans plein de projets, dans plein de dossiers à la fois, et bien, on a tendance à toujours dire que les hyperactifs sont suroccupés, en fait, et disent tout le temps, bien, je n'arrive pas, je commence et je finis pas. Et donc, ils n'arrivent pas à gérer un état de stress qui est permanent. Ils ne sont pas capables de poser une chose et d'amener au bout de sa tâche en enchaînant un nombre d'activités, comme s'ils devaient se remplir de plein de choses. Et en fait, au bout du compte, le résultat, leur état de tension
est optimale parce qu'en fin de compte, ils s'usent et en fait, ils ont l'impression de ne pas avoir d'acquis et de ne jamais avoir de succès. Arrêtez de me regarder. Et c'est pour ça que je voulais te faire voir que l'hyperactivité chez les adultes, ça existait. Tu t'es rappelé quand on a créé ça, que tu disais je ne suis pas hyperactive. Mais moi, après, quand j'ai fait les recherches, je m'aperçois qu'on a quand même des certains. Il y a quelques symptômes, mais voilà. On n'en a pas suffisamment pour dire. Bien sûr. Moi, on ne reconnaît pas là-dedans. Non, tu as la calme, la zénitude d'attitude là-bas. Bien sûr. Donc après, la peur du vide. La peur du vide. Il y a aussi des moments de crainte de vide, d'ennui. Donc c'est combler ce manque. Alors on comble ce manque, ce vide à ne rien faire. Par ailleurs, ne rien faire, eh bien, justement, ça met l'angoisse, ça met le stress. Et on retrouve cette caractéristique d'hyperactivité dans les phases de deuil, comme une manière de rester en vie. C'est ce que je dis. Et quand je lis ça, je me dis, quand des personnes me disent toujours, mais pourquoi tu ne te poses pas 5 minutes sur une chaise? J'ai l'impression de mourir en fait. Et donc, remplir ce vide, et on voit que chez les personnes aussi qui sont hyperactives, elles sont éternellement insatisfaites. Et en fait, elles peuvent remplir aussi ce vide, cet état de frustration, par la nourriture, l'alimentation. Si ce n'est pas par un tas de choses, bien souvent, quand toute la journée, la personne elle est en activité, elle veut remplir ce vide, et bien, le soir, quand il arrive où elle se retrouve seule, et en fait, où elle fait son ménage, où elle s'occupe et elle remplit ce vide, ou alors elle se pose sur le canapé et elle se remplit de nourriture, en fait. Quelque chose qui fait plaisir et qui cache ce vide. Qui fait plaisir, mais qui est atteint à la santé. À la santé, c'est ça. Un risque plus élevé de burn-out. Donc, vous n'aurez pas de burn-out à 20 ans, j'espère pour vous. Donc, les hyperactifs ont plus de risques face au burn-out. Donc, tout va trop vite. Ils sont dans un tourbillon qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. On distingue 3 phases de burn-out. La phase d'alarme. Donc, le premier signe, la phase de résistance. Je vais où ? Au-delà de mes capacités et enfin la phase d'épuisement, j'ai puisé dans toutes mes réserves, je ne m'écoute plus du tout. Et là, mon corps dit stop et nous sommes au point de non-retour. Et c'est ça, le burn-out. Donc ça, si je suis ça, je me dis, eh bien, j'aurais dû faire l'hyperactivité avant. Donc, qui peut-on consulter pour cette hyperactivité? Nous avons les messieurs et madame psychiatres. Les psychiatres. Oui. Parce qu'il y a des tests d'hyperactivité qui existent. S'il y a le mal-être, il faut. Alors, il y a des tests, il y a des spécialistes de l'hyperactivité, comme il y a des spécialistes de la bipolarité, comme il y a des spécialistes de la schizophrénie, et il y a des spécialistes. Donc, il faut vraiment aller consulter le médecin généraliste pour vous faire un pré-diagnostic, mais par contre, il faudra aller consulter un professionnel de santé comme un psychiatre, un psychothérapeute qui peut vous accompagner dans une prise de conscience. Aussi, la sophrologie, la méditation peut vous aider à vous poser et à respirer et à être beaucoup plus relax, sereine. Voilà, on va dire. S'il y a marqué merci, c'est. Oui, mais non. On va aussi se revenir sur ça. Alors, l'hyperactivité aujourd'hui, chez l'enfant, pourtant, l'adulte est concerné. On estime 2 à 4% la prévalence chez l'adulte. Donc, il y a une augmentation chez l'adulte de 2 à 4%. C'est le docteur Palazzolo, qui est psychiatre, qui dit ça. La dénomination exacte de la maladie, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On est chez l'adulte sur la suractivité. Alors, si on parlait de définition, l'inattention, c'est une difficulté à maintenir son attention dans la durée. Des stimuli externes perturbent et distraient celui ou celle qui est touchée par les troubles du comportement de l'attention en fait. L'impulsivité,
c'est l'incapacité à attendre pour prendre la parole et à différer une action. Le sujet éprouve des difficultés à gérer ses émotions et à garder son calme. Alors, c'est toujours le docteur Palazzo. Hein. Moi, des fois, quand il y a des choses que j'entends et que j'ai envie d'interagir, ben, ou je vais couper la parole et ça ne se fait pas, ou sinon je commence à trembloter sur mon siège, ou je commence à serrer mes mains. Ou alors elle se serre à mon genou. Voilà. Elle et m'arrache là, la moitié de ma peau. C'est ça. Et là, on voit que je suis un peu tendue parce qu'il y a des choses, il y a des émotions que je n'arrive pas à garder et que ben, ça va sortir. Alors, j'essaye de me contenir. Maintenant, j'arrive à me contenir. Mais sauf que ça te prend de l'énergie. Ça n'a pas l'air comme ça. Parce qu'il faut que tu te retiennes. Voilà. Tu vas le problème, c'est que tu vas contre ta nature, en fait. Après, l'hyperactivité, c'est un besoin de bouger sans cesse, de parler beaucoup ou de faire du bruit. Donc, les symptômes de l'hyperactivité chez l'adulte, près d'un jeune sur deux présente encore des troubles quand il devient adulte. Donc, tout à l'heure, on parlait à l'adolescence, donc sur le pourcentage d'enfants, il y a 50% qui restent à l'âge adulte, mais un enfant sur deux continue à manifester ses troubles à l'adolescence. Oui, plus que 50%. Voilà. Parce que vu que je ne suis pas très bonne en maths, je me fais des calculs. Non, à l'âge adulte. Oui, mais un sur deux en adolescent. Et je ne sais pas s'ils le disent là, mais normalement, ceux qui sont à l'adolescent, à l'âge adulte, ils y sont encore. Ils y sont encore. Je l'avais lu, je ne sais plus. Je sais pas si c'est là-dedans. Des zones du cerveau seraient impliquées, justement. C'est toujours le docteur Palazzo, là, qui dit ça. Palazzolo, je pense. Palazzolo. Bon, je ne sais pas. Le docteur Palazzolo, il s'appelle Jérôme de son petit nom. Allez, GG. Il explique que deux zones du cerveau qui seraient impliquées dans l'apparition des symptômes, il s'agirait du lobe frontal, celui-ci normalement responsable de l'inhibition, de l'organisation et de la modulation des réponses. Ces trois fonctions sont absentes chez l'enfant hyperactif, explique-t-il. Le striatum, voilà, serait lui aussi impliqué. Son mauvais fonctionnement rendrait défaillantes les réactions commandé par le cerveau. D'autres facteurs hormonaux aussi, comme la dopamine ou la noradrénaline, dont la dopamine qui joue un rôle dans la motivation et l'attention, et la noradrénaline qui joue un rôle dans le processus d'apprentissage, la mémorisation et la notion de prudence. Voilà, voilà, voilà ce que je voulais vous dire avant d'en finir sur ce sujet. Donc, écoutez, on espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et n'hésitez merci pas à mettre beaucoup. Des commentaires si vous le souhaitez. On regarde vos commentaires, même ceux qui veulent le voir en rediffusion. Et voilà, écoutez. Et puis, si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde, donnez-les parce que c'est vrai, comme on vous dit, on arrive au bout un peu des fois. Alors, on a des idées. Là, on va faire. Vendredi, ça va être sur les réflexes. Donc, les réflexes, on a quand même pas mal galéré. On espère que ça vous plaira aussi. Mais donnez-nous des idées et même si c'est des sujets sur lesquels on a déjà abordé. On peut y revenir dessus sans aucun problème. Donc, on vous fait à tous des bisous. Oui, merci beaucoup. Bisous. Bisous. Et on se tient au courant. On se tient au courant. On se voit demain matin pour Balance on Live, puisque c'est mercredi. Oui. On se voit vendredi matin pour la détente musculaire. Oui. Et on se voit vendredi soir sur les réflexes. Voilà. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Bon, bref, c'est pareil. On se tient au courant. Hugues, on se tient au courant. On s'appelle, on se fait une bouffe. Et bon. Voilà. Prenez soin de vous. Faisons comme ça. Gros bisous. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée.